C'est une Satin Valley très décontractée que nous avons eu le plaisir de rencontrer à l'occasion du showcase mensuel organisé par Atlantica Radio à l'espace culturel du Leclerc d'Arès. Enfant du pays, Satin a pu retrouver ses nombreux fans et leur présenter quelques titres de son album « Je suis un fou » avant de signer quelques dédicaces pour leur plus grand plaisir. Alors bonjour, moi c'est Satin Valley, j'ai 12 ans et je fais de la musique, du chant et des vidéos sur internet. Je viens faire un showcase, c'est-à-dire que je vais chanter, ensuite faire des séances de dédicaces, un peu rencontrer mes fans, mes 33 000 abonnés maintenant sur YouTube et ça me fait super plaisir. En tout cas merci de me suivre depuis à peu près maintenant 6 mois. À peu près. Depuis l'été dernier, ça me fait vraiment super plaisir. Je pensais pas attendre ce chiffre-là, en fait. 33 000 à peu près maintenant, 700, 800 abonnés. C'est un peu énorme, en fait. Alors, ça a commencé quand j'avais à peu près 3 ans. Je chantais dans le coin de ma chambre. Ensuite, vers mes 6 ans, j'ai commencé vraiment à chanter sur scène. Et puis ensuite, c'est parti en The Voice Kids vers l'âge de mes 9 ans et demi, 10 ans. Et à partir de là, ça a vraiment commencé en fait pour moi. Après, j'ai fait La France Incroyable Talent, plein d'autres émissions, et voilà. Je chante un peu de tout, surtout du country et un peu de pop, music, un peu de tout en fait, vraiment de tout. Alors, je suis née en fait dans cette ville-là, à Arès. Dans l'hôpital d'Arès et puis j'ai fait un peu toute mon enfance, bon même si je suis encore une enfant, mais de mes à peu près du coup de ma naissance à aller vers mes 9 ans au Porge. Et c'était vraiment cool, moi j'ai beaucoup aimé, j'avais plein d'amis là-bas et là où je suis aujourd'hui, j'ai plein d'amis aussi qui me suivent même aussi sur mes réseaux sociaux, donc sur YouTube, ça me fait super plaisir. Oui, ça me fait plaisir, ça me rappelle plein de souvenirs un peu mélancoliques, ça me rappelle plein d'amis, plein de bons délires, de bonnes choses en fait. Alors oui, je compte sortir sûrement un album et je compte aussi du coup sortir plein d'autres vidéos, éventuellement des nouvelles chansons. J'écris plein de nouvelles vidéos et du coup ça c'est à venir. Du coup merci à toutes les personnes qui me suivent, merci à mes parents qui m'ont quand même conduit jusque là, qui m'ont apporté dans la musique, et à bientôt dans de prochaines vidéos.